Nous sommes ravis de cette nouvelle édition du CIRAC, placée sous le signe de la convivialité et de la proximité, puisque le thème que nous avons souhaité développer cette année était 100% à vos côtés, proximité que nous partageons avec notre réseau de distributeurs et à travers tous les outils que nous pouvons mettre à disposition de nos clients et nos utilisateurs. Imprimés, outils digitaux, puisque nous avons une nouvelle application smartphone qui donne accès à un peu plus de 200 recettes. Proximité convivialité sur le stand lui-même, puisque nous avons eu deux chefs en permanence, un chef cuisinier et un chef pâtissier, qui ont mis en œuvre nos produits et pour montrer et démontrer encore et toujours tout le potentiel de créativité qu'offrent ces produits. Je m'occupe de la partie salée, donc on est sur les pulpes de légumes. C'est des produits qui sont faciles à travailler, qui sont goûteux. On a le produit de base, puis après moi je les retravaille pour en faire... quelques recettes. Donc là, pour le coup, on a travaillé 12 recettes avec artichauts, asperges, potirons, poivrons rouges, poivrons jaunes, tomates. Voilà un petit peu toute la gamme. Je suis pâtissier pour les Vergers Boiron. Je suis basé à Singapour. Les Asiatiques veulent une pâtisserie française. Ils veulent une pâtisserie qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux. Nouvelle manifestation très concrète est la création cette année d'une fondation d'entreprise pour la transmission des savoir-faire qui parraine et sponsorise un projet, le projet des trophées Jeunes Talents Boiron Frères. Nous avons sélectionné parmi 10 finalistes issus de BTS Options Culinaires, 3 jeunes que nous allons envoyer à l'étranger pendant un an dans 3 restaurants de Bocuse d'Or. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site myvb.com, rubrique agenda, où vous trouverez l'intégralité des différents événements, salons, démonstrations, ateliers, où nous aurons plaisir à vous retrouver.